Sous bon pal trésorier Chadek la Georges Daguerre fait qu'on a, yon pays pas qu'à développer sans petite li. C'est notre tête ensemble, Haïti apprend chemin développement. Mais Jean-Henri Seyan, notaire et leader politique, c'est tout conseiller centre haïtiano-arabe là. Pendant l'étape montré contentement li, peut-être Chadek désormais existé, li retrace histoire pays ya, li dit qu'il toujours en souffrance. Ancien candidat à la présidence la, mande tout haïtien mette force yo ensemble pour porter changement dans pays ya, nan yon temps li croye qui pas doué trop long. Yon après l'autre, Georges Daguerre ak notaire Jean-Henri Seyan, toujours dans micro Reginald Jean-Louis. Patria pour développer et prospérer, les besoins et fort toute petite li sans distinction. Ici, en Haïti, majorité immigrants arabes considèrent Haïti comme un pays de passage pour l'autre pays. Majorité peuple haïtien considère immigrants arabes, petits immigrants arabes et petits comme haïtiens, ils ont un passeport haïtien. Comme étrangers, ils ont un passeport haïtien. Pourquoi il est le temps pour nous changer de pratique ça. Et Chadek, c'est le bring mieux bas pour bonne route. Allons mettre mes ensemble pour Haïti. Vive Haïti. Ce n'est donc pas un hasard si, ce soir, présent à cette cérémonie de lancement de la Fondation Chadek, Centre haïtiano-arabe pour le développement, l'éducation et la culture, il s'exprime pour rendre un hommage à ceux qui, avec lui, ont pris cette noble initiative, leur disant ses remerciements et leur renouvelant ses témoignages d'amitié et de fraternité. Oui, chers amis, j'éprouve une immense joie à être parmi vous, et je le dis avec d'autant plus de force que l'événement de ce soir participe du dialogue des cultures et des rencontres de l'histoire. Haïti, déjà en proie au dénuement, est profondément blessé. Haïti saigne de lui, Haïti saigne encore. À ces appels, à ces cris, ont répondu les gestes et supports de l'assistance internationale. Cependant, beaucoup reste à faire pour penser les plaies du moment et entreprendre l'œuvre décisive, tant attendue, tant rêvée, de la redéfinition du pays pour ses propres fils de toutes origines, africaines, arabes et autres.